Étape 6, nuit très bonne pour ma part. J'ai pas trop eu froid. Christelle aussi. Ricardo, apparemment, il y a bien plus cette nuit. Ricardo a eu la tente mouillée. Il y avait un vent de fou. Il y a eu beaucoup de vent et apparemment la rivière a monté. Donc on va aller voir ce que ça a donné. Et apparemment, on est bloqué. Pour rappel, avec la fatigue accumulée de la veille, ce que nous pensions être une petite plage était en réalité un fond de rivière. Nous nous mettons en slip et Ricardo tente le premier à traverser. Deuxième essai sans le sac. Pour traverser, nous garderons le sac sur le dos et nous utiliserons les bâtons de randonnée. Nous avions de l'eau jusqu'au nombril, nos affaires sont trempées. Voilà, donc on était là et on a traversé ça jusque là. Moi, c'était tellement c'était assez dangereux, comme vous l'avez vu avec Ricardo qui essayait dans l'eau, qu'on n'a pas filmé. On a préféré être concentré dans la traversée, les bâtons à la main pour s'équilibrer contre le courant. Là, je crois qu'on s'en souviendra pendant un moment. Hein. Donc, erreur de débutant, hein, évidemment. Erreur de débutant, ne pas aller camper de l'autre côté d'une rivière à sec. Alors, on est gelé, on a les vêtements mouillés et il n'y a aucun café d'ouvert. Cette nuit est très difficile. Beaucoup de vent, la pluie, la tente, la partie haute s'est enlevée du sol. J'avais de l'eau partout à l'intérieur. Bon, je suis sorti, j'ai remis la tente. C'était à minuit. Et il y a une heure rebelote. Bon. Ils sont en pleine forme, regardez. On sèche. Moi, c'est pas la super forme. J'ai hyper froid. Une aventure sans difficulté, ben, c'est pas une aventure. Donc, c'est ça qu'on vient aussi chercher, hein, le surpassement de soi.
tout le temps, ça change tout le temps. Il fait chaud, froid, chaud, froid. Et là, c'est super beau par contre. Le trajet est simple, difficile de se tromper. Nous devons longer le Loch Lochy jusqu'au bout. Alors, on a fait la rencontre de Jean-François et Catherine qui nous ont reçus gentiment dans leur camion, van. Et voilà. Camping-car. Truck. Ouais, vu les roues. Voilà. Pour boire un café, c'est vraiment gentil. Donc deux Français. Voilà. L'Écosse est amicale et les Français aussi, la preuve. Ils sont sympas les gens en Écosse. Franchement, oui. Je pense que l'été, ça fait vraiment du bien. Bon, qui veut un œuf? C'est bon. Non, merci. Bah, Pascal, oui. Avec Joy. Yeah. Allez, au revoir. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Hein. Bonne route. Yeah, Joy. Tu viens avec nous, ça y est? Tu vas, allez, on l'emmène. Hein. Allez, merci beaucoup. Nice to meet you. Where are you from? From Germany. Germany, oh. France. You stop for William? Today in Galloche. Yeah, no, yeah, we stop. Yeah, yeah, we stop in for William. Yeah, it's, c'est quoi, 10 km? Ouais. 10 km? Yeah. From Glasgow, the West Island way, and go to Inverness in 3 days. Wow, that's impressive. Bye, good luck. Qu'est-ce que tu fais, Ricardo? Je ne suis pas en super forme, j'ai très froid. J'informe Christelle et Ricardo qu'on arrête l'étape à ce stade pour planter la tente. Nous ferons donc 2 km de plus le lendemain. La traversée de la rivière m'a frigorifié pour cette étape. Et la nuit s'annonce compliquée car nos duvets sont trempés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner à la chaîne YouTube Marseille Provence Productions.